Là, je suis dans une tente de gilets jaunes. Je vais vous dire, je vais vous parler du Kakatov. C'est très important. C'est une arme redoutable, c'est une arme biologique. Et ça va donner suite à une pandémie. Je vais vous le dire. Parce que les amis, les sbires de Macron et ses amis homo du 21 juin et ses amis francs-maçons, hein, les francs-maçons, ils cachent des choses, ils aiment bien les armes invisibles. Mais qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont créer le botulisme. Parce que dans la terre, il y a plein de maladies. Il y a plein de maladies, comme le tétanus, très dangereux. Mais il y en a pire, le botulisme. C'est une arme bactériologique. Que même les Américains et les Français aussi, ils ont ça, le gouvernement, ils ont ça dans les dépôts. Hein. Et le botulisme, ça se trouve dans la terre. Mais il y a quelques conditions pour que ça pousse. Premièrement, il faut des protéines. Donc ça suffit de mélanger des protéines avec la terre. Et le deuxième condition, c'est que ça se trouve dans une situation, des conditions anaérobiques, ça veut dire pas d'air. Hein, comme dans un pot de Kakatov ou dans un condom de Kakatov. Donc, il faut trois ingrédients, pas d'oxygène, la manque d'oxygène, des protéines comme un steak ou de la viande du porc, et de la terre. Tu mélanges tout, éventuellement avec un peu d'eau. Et c'est ça qu'ils vont faire, les sbires de Macron. Pourquoi? Parce qu'avec une pandémie, vous vous souvenez, hein, quand il est venu au pouvoir, mais tout de suite, il nous a poussé vers des vaccinations obligatoires. Parce qu'il y a le grand business de la chimie suisse, etc. Parce que c'est un agent dormant suisse. Hein. Regardez le film Enfer suisse satanique. Et comme ça, ils peuvent utiliser, ils peuvent nous forcer plein de choses dans le cul hein, avec les seringues. Voilà. C'est ça qui va se passer, les gens. Et comme les gilets jaunes, là, en ce moment, y en a quelques-uns, mais ce sont des agents provocateurs, hein, je vous dis, qui se sont déjà démontrés donc avec le caca le Kakatov. Ce sont eux la bouc émissaire. Tandis qu'il n'y a personne qui va penser comme d'hab aux forces derrière. Et je vais vous dire encore un truc. Déjà, j'aime pas les gilets jaunes hein, parce que ce sont des menteurs. Ils se présentent comme partout dans le monde, comme le peuple français, qu'ils sont solidaires et chacun pour soi, ils sont gentils. Non mais arrête. Tu vois, regarde, sac à dos, je suis dans la rue, moi. Tu vois? Suite à la terreur, hein. Ils m'ont fait arrêter par une unité antiterroriste à cause de mes vidéos. Il n'y a aucun qui m'héberge. Ça fait de moi, je ne me suis plus lavé. Il n'y a aucun qui me nourrit. Gilets jaunes, solidarité, vous êtes des menteurs, je vous dis. Vous êtes des menteurs. Rien que des menteurs, vous voulez plus d'argent, plus de voitures, plus de pétrole. C'est chacun pour sa gueule dans ce pays. Surtout les Français, hein. Toutes les belles paroles. Et je vais vous dire donc qu'est-ce qui va se passer, hein. C'est le botulisme. Ils vont propager le botulisme, je vous le dis. C'est typiquement une arme franc-maçonnique, hein. Des armes de destruction massive, ils aiment bien ça, ils ne doivent pas se salir les mains, et des autres qui sont déjà, qui vont être visés le doigt, donc je suis dans une tente de gilets jaunes là, vous voyez, voilà, gilets jaunes partout,
menteur que vous êtes. Voilà. Menteur. Menteur que vous êtes, gilet jaune, je vous dis. Donc fais gaffe, hein. C'est une arme redoutable, le botulisme. Et ça va venir. Avec ces trois ingrédients, et ils sont présents. Il y a juste un mec avec le caca et le jus de poisson, ce que j'ai vu sur internet, mais la protéine, ils ont là. Il faut juste un peu de terre, et voilà, le botulisme, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais dans une semaine, t'en as du botulisme, hein, et ça tue. Ça tue. Ça tue une compagnie de CRS, hein, avec leurs enfants, tout le monde. Et après, les gilets jaunes, là, ils ont être visés le doigt. Tandis qu'il y a des francs-maçons qui sont derrière. Hein. Moi, je fais aucune confiance à ce mec-là qui explique, là, avec les gilets jaunes, que comment ça marche, là, le Kakatov de Venezuela. Vous n'avez rien compris comment c'est de l'opposition contrôlée, tout ça. Allez, le menteur, je vous laisse. J'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous tous. Vous êtes tellement cons tous vous là. En plus, les amis de Macron, hein, 21 juin, faites de la musique à l'Elysée. Hein, et regarde donc le témoignage de cet ancien collègue dans la voiture que j'ai pris. Mais ses amis de Macron, mais, hein, ce sont des adeptes du caca quand même. Hein. Donc c'est leur première réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire avec les caca. Ils aiment bien les caca, de remuer leur bite dans les caca. Qu'on peut un peu pratiquer à gauche, à droite aujourd'hui avec tous ces mecs circoncis qui ont ramené ça dans notre culture, en fait, qu'on n'a jamais eu ça en Europe. Donc le caca, quand tu regardes, mais qui vient aux premières idées d'utiliser le caca, hein? Mais ce sont des autres cacheurs là, 21 juin, hein, les amis du caca, de Macron. Hein, le Macron Toff. Bon. Et je vous laisse le menteur. Gilet jaune menteur. Français, vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas un peuple solidaire du tout. Vous êtes tous des menteurs. C'est chacun pour sa gueule. Menteur, retourne à la maison. Mets-toi devant la télé. Occupe-toi de tes enfants avec tous vos divorces. Et au lieu de rester ensemble, il y a deux mecs qui se marient. Vous êtes un peuple de menteurs, les Français. Allez. Donc pensez à ça, le botulisme, ça va venir.